don't think there is anything missing here. 600 éditeurs, agents littéraires et auteurs de près de 40 pays venus présenter des milliers de livres dans de nombreuses langues ont rejoint la 50e édition de la Foire internationale du livre de Jérusalem. Chaque année, la foire réunit un café littéraire, des centaines d'ateliers et le prix du livre de Jérusalem. Cette année, le prix du livre a été décerné à l'écrivain espagnol Antonio Muñoz Molina. Le directeur de la Foire du livre, Yoel Makov, souligne les temps forts de cette édition. L'originalité de cette édition est la combinaison d'un événement professionnel et d'un événement culturel. Plus de 40 auteurs du monde entier viennent à la Foire du Livre et de nombreuses personnalités participent à des programmes spécifiques. La Foire du Livre les présente au public israélien avec un auteur israélien, un modérateur israélien. Parmi aussi les moments forts de la foire cette année, certains ateliers comme celui du marketing et de l'édition électronique a attiré un public important. Chaque édition de la foire aussi décerne un prix à un auteur. Et cette année, la ville de Jérusalem a souhaité récompenser l'écrivain espagnol Antonio Muñoz Molina, un auteur de premier ordre. Prominent author. L'originalité de la Foire du Livre de Jérusalem tient dans sa composante internationale. Les visiteurs viennent pour l'opportunité de se maintenir informés des auteurs issus de leur pays. Eliana Gurfinkel, une jeune immigrante issue de France, partage avec nous son expérience de la Foire du Livre. Déjà, c'est un rendez-vous annuel, la Foire internationale du Livre. C'est un grand plaisir de venir ici, de regarder tous les livres. On est quand même dans le plus bel endroit de toute la foire, c'est Matsuki, parce qu'ils ont vraiment fait un effort pour que ça soit vraiment très joli. Et puis ce qui est agréable, c'est surtout de retrouver un petit peu de ce petit coin français, ces livres de littérature. Quand on est entouré d'hébreux toute l'année, c'est agréable d'avoir un petit coin où on peut retrouver la langue de son enfance. Surtout, il faut remercier la municipalité de Jérusalem qui s'occupe d'organiser ça tous les ans. Et c'est vraiment un plaisir de venir tous les ans. Voilà, c'est pas ma première fois et je pense que l'année prochaine, je serai là encore. Voilà. La ville de Jérusalem a décerné le prix 2013 à l'écrivain espagnol Antonio Muñoz Molina pour, je cite, « le lien fort dans la culture, la littérature et l'histoire internationale que ses livres représentent ». Antonio Muñoz Molina conclut, je cite, « Il ne peut y avoir de meilleur prix pour un écrivain que celui décerné par une foire internationale du livre. » Frédéric Heger, InfoLive Télévision, Jérusalem.